Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui, on va désencombrer les jeux des enfants. Je vous explique, il y a beaucoup de choses. Mon fils a passé les 2 ans et quelques, donc il commence à se désintéresser de beaucoup de jeux et il est intéressé par d'autres. Et ma fille, pareil, elle a 4 ans et demi, donc c'est pareil, elle est de nouveau dans une phase où certains jeux ne l'intéressent plus du tout. Et donc c'est normal, il faut renouveler, il faut un peu tourner les jeux. Et que dire d'autre? Mon fils aussi n'a pas du coup les mêmes intérêts de jeu que ma fille avait à tel ou tel âge, puisqu'il est poussé vers le haut, entre guillemets, par ma fille, parce qu'il veut faire exactement les mêmes jeux que ma fille. Sauf les voitures, il adore les voitures, et elle, les princesses. Ok. Saint-Nicolas vient de passer, et en même temps, on sait que Papa Noël va passer aussi, donc un tri s'impose. Il n'y a pas juste ça. Laissez-moi 5 minutes pour regrouper tout ce qui est caché par-ci par-là. Alors, il faut savoir que j'ai déjà commencé un tri en fait. Il y a des choses déjà pour une gift box, ça c'est pour la gift box. Et il y a des choses ici qui vont être réparties entre un couple d'amis qui vient d'avoir un enfant et ma soeur qui veut donner ça à sa crèche où elle travaille. Et donc du coup, il y a typiquement les trucs qui sont pour 1 an, les petits trucs comme ça, le ballon. Ah, mon fils a 2 ans et demi, ça, il s'en fout, mais non. Hein. Les petites maisons avec les blocs, les petites formes. Donc voilà, ça clairement, ça a donné. Je veux juste voir qui veut quoi. Ça pareil, évidemment. Et celui-là, c'était le cadeau de l'année passée et en fait, ça n'intéresse pas. Voilà, voilà. Fiasco total. Thank you.
in because there are so many things that are left unsaid. Alors, je vous explique l'étendue des dégâts, on va dire. Non. Alors, ici, ces deux caisses, entre guillemets, sauf ça qui doit aller sur le lit de mon fils, ces deux caisses, c'est ce qui va dans l'armoire de la chambre, c'est pour faire tourner. Et en fait, la poupée, là, j'hésite à coiffer, la tête à coiffer, je veux la bazarder. Mais j'attends de voir la réaction de ma fille quand elle va voir qu'elle n'est plus là. Donc je pourrais toujours lui dire, elle est là. Comme ça, elle est zen. Ça, c'est des jeux qu'on garde, qui sont dans le salon, en fait. Parce qu'on aime bien jouer. Je vous montre. Ah, bah vous verrez pas. C'est le bordel. Sur le tapis, là, à la place de l'étendoir. Et du coup, les jeux sont dans le meuble télé. Ça, c'est ce qu'on va donner. Ou... bazardé. Enfin, les ailes, c'est à bazarder. Le train, il faut que je retrouve la boîte. Ça, c'est des boîtes en trop, du coup. Et ça, c'est à mettre dans les souvenirs. Et tout le reste est là. Rangé. Donc, je vous fais un petit récap rapide. Les animaux. Le train et les Lego. Là, c'est tout ce qui est crayon, pâte à modeler et aussi feuilles, coloriage, etc. La maison de poupée avec les princesses qu'elle aime en ce moment. Sa boîte à trésors pour ma fille et ses couettes. Ensuite, là, il y a... Ah non, il est là, le train. Là, c'est les poupées, pardon, j'ai changé de place. Le train et les voitures, parce qu'en fait, il joue avec... aussi avec les petites voitures en bois qu'il aime beaucoup. Le gros tracteur, tous les puzzles pour mon fils, tous ceux qui sont presque complets, on va dire. Les autres, je les ai mis dans cette caisse-là qui n'ouvre jamais, sauf pour la musique. Là, il y a sa grange et son petit camion qu'il aime aussi pour bricoler. Là, c'est la caisse à bébé et déguisement. Et là, c'est la caisse à doudou. Et voilà. Je vous ai tout montré. Il reste plus que les livres. Voilà, on est le lendemain. Désolée, j'ai eu des enfants qui allaient chercher. Les livres, je les ferai plus tard. Je vais faire une autre vidéo qui sera declutter de toute la maison, en gros. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez vu un peu comment on s'organise. Je voulais juste mentionner que donc on préfère clairement les jouets en bois. Et que les jouets en plastique, même les Duplo, les voitures et tout, c'est ce qu'on a récupéré du seconde main. On essaie au maximum, même la grange, et même ces puces là viennent d'une brocante, c'est ma soeur qui les a trouvées. Les seuls trucs neufs qu'on a, c'est des animaux et les poupées. C'est tout ce qu'on a acheté de neuf, tout le reste c'est des trucs de seconde main. Ou alors le bois, en général, on l'a acheté neuf. Mais voilà, c'était juste pour vous préciser ça. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis, j'ai oublié de dire aussi, il y a beau. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de jeux. Mais surtout, ils ont pas de tablette, ils ont pas de téléphone, ils ont presque pas de télé. Pendant les vacances de Noël, là, ils vont avoir le droit de regarder 3-4 films de Disney. Mais point, il n'y a pas de télé. Parce qu'on voit la différence au niveau comportement, donc voilà, on s'y tient, pas de télé. Et surtout, ils apprennent à s'occuper seuls. Et donc du coup, ben, ils ont besoin de choses pour s'occuper. On remarque que chaque semaine, ils ont un intérêt différent. Une semaine, mon fils va être à fond dans les voitures,
Et alors que ma fille veut dessiner et jouer à la maîtresse et donner des points rouges et des points verts. Une autre semaine, mon fils va préférer faire les puzzles et ma fille va préférer et puzzles ou animaux. Et cette semaine-là, ma fille va préférer faire son grand puzzle de princesse que j'ai oublié de montrer, ou elle va faire aussi, elle va lire, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de choses, mais on n'a pas de doublons. On a à chaque fois une catégorie de... Vous avez vu? En fait, les Lego, on a eu un gros bac de 100, de 100 Duplo et Cars, et voilà, on n'a pas 20 millions de Duplo. C'est comme ça, ils s'occupent, et puis voilà. J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi comment c'est chez vous pour les jeux. Et à bientôt. Ciao!